laisse. On rentre dedans, on serre la taille. Pousser là le haut. Tirer, tirer. Très bien, resserrer les jambes. Descendez, tirez dans l'autre jambe. On commence comme ça. Une main, tirez l'arrière des jambes. On redescend, on tire à nouveau. On ouvre, on allonge. Très bien, pivotez, tenez-vous sur la cuisse, laissez descendre. Hop, de l'autre côté. On allonge, on tient sur la cuisse. Tirez, tirez sur toi. Ok. Il fait déjà un peu plus chaud. Remettez vos pieds correctement. Et là, on va pouvoir simplement tirer sur l'arrière des jambes. Allongez bien vos bras. On sent que ça va bien tirer derrière. On va tenir les genoux. Descendez vos deux mains et attendez-vous. Et on balance. Mettez bien les demi-pointes juste derrière vous. Et c'est parti pour les talons-fesses. On est bien sur le bon bateau. Genoux alternes. Yes. Deux genoux. Super, continuez, continuez encore, encore. Talon fesse. Un seul talon fesse. Continuez, un seul talon fesse toujours. Ok, on y va, deux step touch. Toujours deux step touch. Oui Lolo, c'est pour ça que tu dis les vacances pour les gamins, c'est demain soir. Yes, et normalement nous c'est pareil. Tout petit dégagé. Tout petit dégagé. Petit pas de course. Tout petit pas de course. Ok, on approche. Et on recule. Ouverture, boots. Cours. Recule. Très bien. Rotation des bras. Passez toujours par devant. Hein. Regardez le profil. Vous voyez comment je fais ? Bras vers l'avant. Côté. Faites bien pivoter vos épaules pour engager la taille. Les deux bras. Ça va toujours? Ouais. Ok, super. Talon fesse approche. Talon fesse recule. Encore la même. Et recule. Reste là. Cours, cours. Demi-pointe, vous avez vu? Je suis toujours en demi-pointe derrière. Restez en petite foulée. Juste petite foulée. Très bien, super. On court du côté. Et on revient. Demi-tour. Et on revient. Approchez, marchez. On recule. Side and side. Très bien. Cours. Demi-tour. Ça.
side inside. Très bien. La même chose, cours. Demi-tour dans l'autre sens. Side inside. Ouais, vous avez vu comment j'ai fait les sides comme des lunges. Vous avez le droit, bien sûr, de les faire comme ceci, sans sauter. Marche, marche, marche. Alors, le premier temps, court, demi-tour, court, side and side. Demi-tour, side and side. 4, 3, 2, shuffle. Jumping jack. Faut décoller. Et de genoux, de genoux. Cours. Demi-tour. Side and side. On rajoute les bras, hein, les amis. Hein. Shuffle. Poli, poli. Jumping jack. Et step touch. Cours. Demi-tour. Tap side. Shuffle. Poli, poli. Jumping jack. Deux genoux. Step touch. T'as vu? On était vite hein, sur le cours. Hein. On a déjà nos deux blocs. C'est vraiment pour faire monter la pression artérielle assez vite. On repart. Let's go. Demi-tour. Hey, hey. Poussez les bras vers le haut. Hein. Dynamite. Shuffle. Poli, poli. Jumping jack. Deux genoux. Reste là. Deux genoux croisent. Sans sauter, regardez ce que ça va être. Facile, non? En sautant, beaucoup plus de sautillement. Step touch. Ça, deux fois non-stop. Cours. Demi-tour. Tap side. Shuffle. Poli, poli. C'est pas fini. Jumping jack. Deux genoux. Cours. Demi-tour. Tap ça. Je parle plus normalement, devriez vous souvenir. Hein. Vous êtes là? Est-ce que ça va? Ouais? Bon, ça fait un peu transpirer, hein, c'est tout. Hein. On est bien d'accord. Ok, yes. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Dites-moi. Yes, Nadège, t'es là. Ok. Je vois bien. Elodie, t'es là avec Johanna. J'espère pour vous. Après, sinon, vous avez le replay. Hein. Ok, yes. Bon, petite pause. On va boire un coup. Et on fait ça à donf. Ouais, les amis, on fait ça à donf. Comme d'habitude, après avec un truc un peu plus cardio. Bon, cette musique, elle est pas mal, hein.
Allez, petite pause syndicale et puis on va partir bien sûr avec du vrai, du dur de dur. Ouais, quelque chose qu'on fait généralement, donc n'oubliez pas de boire surtout, hein, c'est le principal. L'eau, c'est la vie. Allez, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Vous êtes prêts ou pas? Step-touch. Si court comme d'habitude. Et tout de suite derrière, on met notre morceau un peu pulsé. Hein. Court, court. Demi-tour. Tap side. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, shuffle. Poulet, poulet. Jumping jack. Deux genoux. Deuxième tour, court. Tourne dans l'autre sens. Ouais. Shuffle. Pony, pony. Jumping jack. Et deux genoux. Troisième tour. Tap side. Encore quatre. Shuffle. Pony, pony. Ouais. Quatrième tour. Allez, courage, courage, courage. Shuffle. Après. Cinquième tour, on tourne. Hey, hey, hey. Shuffle. Pony, pony. Allez, dernier tour normalement. Hein, pour faire monter bien sûr la pression. Pony, pony. Je suis en retard. Jumping jack. Restez là, toujours jump. Pour ceux qui n'en peuvent plus, bien sûr, on est là, hein, les amis. Hein. Ouais, les vecteurs, hein. Toujours pareil. Jumping jack ou tap side. Cours, reste sur place. Courez, restez sur place. Je vous fais confiance, hein. J'espère que vous êtes toujours dessus. Hein. Ouais. Ça, il y en a 16 au total. Courage, courage. Allez, plus que 8, plus que 8. Yes!
Reste en pas de course. Tranquillou, tranquillou. Petit pas de course, petit pas de course. On y va pour notre musique. Notre musique qui monte normalement en cardio. Respirez. Shuffle. Soyez léger dans le sol. Hein. Bien les hanches carrées. Jumping jack. Shuffle. Restez là, toujours au fond de fente. La même chose, jumping jack. Ou sinon jumping jack, hein, vous êtes d'accord. Hein. Shuffle. Soit shuffle, soit marche. Yes. Genoux alterne. Voilà, on va rester là-dessus. Gardez les hanches bien carrées, les amis. Serrez bien les abdos et gardez le buste haut. Bien entendu, si c'est dur, vous pouvez fléchir le coude sans sauter. Toujours le bras devant, toujours opposé au genou. Prêt ? Jumping jack. Shuffle. Encore, let's go. C'est le premier tour. Shuffle. Attention, blocage. On prend soin. Talon, talon. Cours, cours, cours. Reste, talon. La même chose. Il y en a 8 les amis. Gardez bien les talons fesses. Hein. La suite, genou alterne. Comment ça va? Ouais. On tient le rythme ou pas? Le point vers le haut, le punch du héros. Gardez bien le muscle long, hein. Serrez les abdos. Jumping jack. Shuffle. Allez, courage. Encore un tour. Shuffle. Yes, on tient le rythme, hein. Blocage. Talon. Cours, cours, cours. 4, 3, 2, talon recul. Yes. Version avec modération. Ouais. On marche, hein, c'est tout. Et talons fesses à la place. Ça vous va? Restez en course. Bon, comment ça va tout le monde? Soufflez, hein. Soufflez. Petit pas de course. Talon bloc. Regardez bien, cours. Les 4 premiers talons. Les 4 derniers. Jump. Ouais, vous avez retenu? Shuffle. Oh yeah! Talon. Et le tour. Cours, cours, cours. Quatre talons recul.
4 talons tournent. Encore une fois. Prêt? Allez, talons, talons, recule, recule. Tourne. Ah bah super les petits amis, super. Bon, j'étais un petit peu à la bourre sur la musique. Hein. Coucou David, pas dispo ce soir, mais replay ce week-end. Bonne séance à tous. C'est sympa ma Sandrine. Ok, ça fait plaisir. Les loulous, on reprend du service. Les cuisses, on s'essuie d'abord. Hein. Ah, ça chauffe, tu m'étonnes. Le problème, c'est comme il fait plus chaud maintenant. On n'a pas les températures, bien sûr, de froid. Hein. Ouh, il a limite neigé mardi. Hein. Squat, fente. Squat, fente. Ouais, yes. Ok. Alors, vous allez voir dans la combinaison ce soir... On a 4 petits et 2 fois single, d'accord? Yes? Pensez à bien vous hydrater surtout. On ne s'assoit pas, on reste toujours debout, surtout dans cette position. Hein. Surtout dans la position, enfin dans le cardio. Alors, en position squat, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous allez ouvrir grand les jambes. 1, 2, 3. Ouais. Attention de ne pas glisser. 4 temps. On descend. Fesses jusqu'au genou, la ligne des genoux, et on remonte. 3 et 1. Et on remonte. Yes. Ça tient un peu sur le pantalon. Ah, c'est bon signe. Le contraire. 1 et 3. 1 et 3 et 2 et 1. Pensez à garder les genoux à l'extérieur. Serrez les abdos. Vous entendez? Le refrain arrive. 4 petits d'abord. Et on remonte. Single 2 fois. La même chose. 4. 3, 2 et 1. On ne triche pas les amis, on fait des vrais squats. 1, 2, 3 et 4. Dernière fois. Et les amis, stop. Jambes en arrière. 2 temps vers le bas, 2 temps vers le haut. Gardez une belle fente. Regardez voir, la jambe est loin derrière. La cuisse part parallèle au sol. Elle ne va pas jusqu'au bout. 3 et 1. Lent, lent, lent et retour. Sympa cette musique, hein? Ça change un peu, hein? On enroule les épaules vers l'arrière, on reste bien droit. 1 et 3. Et on remonte. Ce mouvement-là, vu qu'on descend rapide et on bloque, c'est la plus forte contraction musculaire qu'on peut avoir. C'est vraiment ce qui engage les fibres musculaires profondes. 4 petits. Single. Single. Encore. Ça, 4 fois de plus. Yes. On a l'impression que j'avance, mais non, hein. Je reste toujours droit. Encore la même chose. 1, 2, 3 et 4. Ça chauffe les cannes. Et 1, 2. Ah oui, vous ne voyez pas, mais il y a Pascal qui fait le cours avec moi. Je vais s'arrêter. Stop. On ouvre les jambes. 4 temps longtemps. On reprend, hein. On a dit squat et fente. La même chose donc. Il manque une barre sur les épaules. 3 et 1. Descendez plus bas. Descendez plus bas.
Ouais, je descends vraiment sur la ligne des genoux. Continuez. Le contraire. 1 et 3. Donc rapide. Et on remonte. Comme si on allait tomber au sol. Sur les fesses. Pensez bien que c'est la partie qui doit descendre. Du coup, les genoux s'ouvrent et les genoux plient. 4 petits. Et single. Je sais pas vous, mais moi je dégouline. 1, 2, 3 et 4. Single. Encore la même chose. Dernier tour. Stop. Jambes en arrière. Deux temps. Et deux temps. On a changé de jambe. Ça, c'est parce que j'ai pas été assez au bout sur la première. Hey, 3 et 1. 3, 2, 1. Gardez le muscle bien droit, les amis. Si vous penchez, c'est pas bon pour le bassin. Ça veut dire que vous perdez en équilibre. Le dernier. Photo. Ça me donne 1 et 3 et je remonte. This time, encore. C'est le moment de se contracter, les amis. C'est le moment de transformer ses cuisses et ses fesses. 4, 3, 2 et 1. Et single. N'oubliez pas, il y a 6 choix à faire. 4, 3, 2 et 1. Single. Poussez bien dans le talon devant. Demi-pointe derrière. On reste toujours droit. Oui, allez, allez, vous sentez ça? Ça commence à vraiment brûler. On a fait la moitié. Allez encore. 4, 3, 2 et 1. Et down and up. Down and up. Encore. Stop. Eh ben, c'est super, les petits amis. C'est l'heure de l'apéro. Ah bah d'accord Thierry, super. Coucou mon poulet, bisous. Ça m'étonne pas de Titi. Ah sacré lui. Sacré Thierry. Ils sont tous pareils ces Thierry. Ils sont tous pareils. Donc, je sais pas combien des Thierry, ils sont tous pareils. Alors mon chéri, les cuisses ça va? Ouais, ça raconte. Ouais, ça va, tranquille. Ah, tu parles. Il a bien morflé, hein. Oui, je sais, t'as été courir. Je sais. C'est bien. Allez, on enlève les choses. Et on va passer au sol pour les triceps. Oui, comme d'habitude. Avant les triceps, vous allez me faire un toute petite isolation pour le dos. Voilà, parce que bon, on va laisser reposer un peu les cuisses. Comme ça, on va attaquer tout doucement le haut du corps. Alors là, bien entendu, il faut être à quatre pattes pour le faire. Bah ouais. Alors je bouge un peu les caméras parce que sinon on va pas me voir. Là ça fonctionne très bien. C'est parfait. Alors regardez voir les petits amis. Qu'est-ce qu'on a là? Ici on a donc une belle serviette. On va se mettre à quatre pattes. Vous voyez, si vous avez une serviette à peu près, on va dire moyenne, de moyenne taille, c'est très bien. Ça fait à peu près 50 cm de large. Et pareil, au niveau des jambes, ça doit faire au moins, oh, facile, 80 cm environ. 80 sur 50, c'est bien, c'est très bien, parce que ça vous donne la taille d'ouverture d'épaule, à peu près pour tout le monde, entre 40 et 50 cm. Normalement, on est toujours à peu près à ouverture de, vous voyez, un avant-bras. Un avant-bras, ça fait entre 40 et 50, hein. C'est toujours pareil pour chacun. C'est comme ça qu'on calcule d'ailleurs en menuiserie ou quoi, si on ne veut pas sortir le triple centimètre. Donc, on est normalement avec les paumes de main pique-poil sous les épaules, on est avec les genoux pique-poil sur les hanches, je me mets de traviole pour que vous puissiez voir, et là, on va pouvoir bien sûr partir sur une jambe tendue droite et un bras gauche tendu, d'accord? Donc, on est à gauche avec le bras ici et on est à droite avec l'autre jambe. Je vais vous demander simplement de lever les deux membres et de rester en place en aspirant le ventre surtout. Il faut bien aspirer votre bidon de façon à résister. Bon, restez là, on va pouvoir mettre la musique, on va laisser tourner.
Continuez. Hein. Il nous reste 4 fois 8. Courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3. Ça fait presque 30 secondes. Hein. Stop, on relâche. T'as vu, on a fait jambe droite avec bras gauche, hein, on est bien d'accord. Hein. Tirez bien sur les hanches en arrière. On revient lentement. On replace le corps. N'oubliez pas l'ouverture de hanche. Hein. On est toujours avec les jambes couvertes. Jambe gauche, bras droit. Et on va lever les deux. C'est parti. Gardez la position. Et normalement, on a 4, 8 fois 8. Premier. Deuxième. Résistez. Serrez bien les abdos. Hein. Ah, on a fait la moitié du chemin. Allez, encore 4 fois 8, les amis. Regardez bien votre sol, ne levez pas la tête. 2 fois 8 encore. Et bien sûr, sur le dernier fois 8, ici, on relâche lentement. Et on vient poser son nombril sur le sol. Après l'étirement, tirez bien les fraises à l'arrière. Super. Regardez voir les talons en flexion. Et vous allez pouvoir simplement ouvrir les deux pointes de pied. Alors bien sûr, moi j'ai une crampe au niveau de la hanche, donc ça passe pas. On passe les mains sur les côtés. Aspirez le nombril. Levez lentement les deux épaules. Revenez lentement. Expirez en montant les amis. La même chose. Mettez bien vos pieds de façon à ce qu'ils soient en parachute. Position du parachutiste. 4, 3, 2 et 1 en haut et reviens. Aspirez bien le ventre pour le faire. Hein. Aspirez bien le ventre. Yes. On relâche les jambes. Les deux mains croisées. Levez les deux pointes de pied. Aspirez le ventre toujours. Restez en place et gardez bien sûr les jambes au-dessus du sol. Maintenant, relâchez les jambes. Aspirez le ventre. Et inversez les pointes de pied. Mettez vos pointes de pied à l'intérieur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est un chandelier. Descendez donc les coudes sous les épaules. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez tranquillement. Voyez, les coudes, ils bougent pas. Hein. C'est grâce à mon buste qu'il se lève. La même chose. Gardez le ventre toujours bien maintenu au niveau de la contraction. Les pieds ne doivent pas bouger, les fesses pas contractées. Si vous sentez les fesses bouger, c'est que vous montez trop haut. Très bien, on reste en bas. On ouvre à nouveau les bras. Levez les deux pointes de pied, tapez simplement vos gros orteils. Stop. Levez un bras, regardez-le et revenez. Levez l'autre bras et revenez. Tapez l'épaule. Ça va toujours? Stop. Levez d'un côté, regardez. Levez de l'autre. Stop. Posez les mains. Emmenez bien sur les hanches en arrière. Tirez bien, surtout, la partie dorsale. Sentez le bas du dos. Il a vachement travaillé. Swimming. On revient sur notre première position. Et là, cette fois-ci, on va bien alterner.
Jambe droite avec bras gauche. C'est parti. Jambe droite. Alternez. Jambe gauche, bras droit. La même chose. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Le but ici, c'est de ne pas bouger les hanches et de ne pas bouger les épaules. Pensez à avoir toujours la taille bien serrée. Allez, courage, encore, encore, encore. Stop. Tirez bien les hanches en arrière. Normalement, on a terminé la partie dorsale. J'espère que vous avez senti ce petit travail. C'est un petit renforcement, bien sûr, du dos et surtout des muscles profonds, c'est-à-dire les muscles qui attachent votre colonne vertébrale, hein, ce qui permet d'avoir moins mal au dos. Si vous faites ça tous les deux jours, vous reprenez juste cet exercice-là tous les deux jours, vous verrez, vous sentirez mieux. Si vous avez des problèmes de dos, bien sûr. Mais bon, c'est pas que pour ceux qui ont des problèmes de dos, hein, c'est pour se prémunir. On va donc passer à la suite, c'est-à-dire bouteille, triceps, pompe. C'est parti mon kiki. Ah. Alors je ne sais pas si, je ne me souviens plus quelle musique j'ai préparée. No money, no money. Ah, Walk of Shame, yes, ok. Donc dans cette chanson, vous allez avoir des alternances entre des positions pour les bras et bien sûr des légères pompes. Si vous sentez que les pompes ne passent pas, vous savez, vous avez la position 4 pattes, bien entendu. Bon, la serviette, je la dégage parce qu'il n'y a jamais plus qu'autre chose. Et là, vous descendez simplement les coudes dans le sol en poussant volontairement, je dis bien volontairement, dans vos paumes de main. Si vous ne poussez pas dans les paumes de main, vous n'allez pas sentir la contraction légère des triceps. Vous ne sentirez rien, quoi, en fait. Ouais. Vous voulez faire des vraies pompes, serrez très fort les abdos. Je vous le dis avant, mais je vais vous le dire pendant. D'accord ? Bouteille d'eau, choisissez, petite ou grosse. De toute façon, on va prendre une bouteille avec les deux mains ou deux petites bouteilles. C'est à vous de choisir. On y va ? Ouais ? Allez, c'est parti. Donc, vous êtes normalement tous sur votre serviette. Je suppose que vous êtes déjà prêt depuis longtemps. Petite musique rigolote, j'aime bien. Vous avez le droit d'être debout. Ouais. Là, moi, je me mets dans cette position-là, ça me soulage un peu les jambes. Allez, la bouteille en haut, on descend lentement, deux temps et on revient. Qu'est-ce que je dois faire avec mes coudes? Les serrer. Comment je dois plier mes coudes? À 90 degrés. Photo, ça me donne 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Single. J'avais dans le sang parce que j'ai peur qu'il y ait de l'eau qui sorte. Continuez comme ça, continuez, continuez. Je ne touche pas la nuque, je suis au-dessus. Restez petit, tout petit. Stop. Tout doucement. Et on repart. Deux temps. Let's go. Un et deux. Et deux et un. Alors là, déjà, normalement, on va commencer à sentir la fatigue. Deux fois de plus. Vous allez voir là sur le deuxième coup, c'est plus court. 1 et 3, ça me fait 1, 3 et 2 et 1. Un peu comme pour les fentes. Single, single. Rapide. Yes. J'espère que ça va là, ici, jusqu'à là. On reste en arrière tout petit. Bras serrés au niveau des épaules. On revient sur le sol. Version numéro 1. On descend lentement et on remonte lentement. Deux temps. 1 et 2 en bas et 2 et 1 en haut. 3 et 1. 1, 2, 3 et remonte. Single.
abdos, montez un peu les fesses si ça ne va pas, vous voyez comment je fais. Sinon, vous poussez dans les deux paumes et vous descendez les coudes en orientation vers les genoux. Mes fesses ne reculent pas, sinon c'est un étirement. Stop. On se croit un peu les bras. On reprend la bouteille. C'est parti. 1 et 2. Et 2 et 1. Ça va? Allez, 1 et 3 cette fois-ci. 1, 3 et 2 et 1. 1, 3 et 2 et 1. Single. Yes! Ah, c'est la 8e, tout petit en bas. Les chéris, on a fait les pompes, extension, il nous manque quoi? Les dips. On descend lentement et on remonte lentement. 1 et 2, coude en arrière, poussez dans les paumes de main. Dernière, single. Pensez à pousser la tête vers le plafond, les amis. C'est ça. Je vais pas vers l'avant, je monte. À tes souhaits. Vous sentez là dans l'arrière des bras? Tout doucement. Tout doucement. On ne monte pas les épaules, non, non, on ne monte pas les épaules, sortez la tête des épaules. Ouais, extension totale, allez jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah, vous sentez ça? Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai senti la brûlure. J'espère que c'est de votre côté, c'est la même chose. Alors, comment tu fais pour étirer? Tu vois, il nous reste deux chansons, abdos, échauffement. Et une nouvelle chanson abdominale. Vous allez m'en dire des nouvelles. J'espère que ça va aller. Et j'espère que je n'ai pas oublié parce que il y a des fois quand je rentre du travail, vous savez, une journée dans les jambes, il y a des fois on se met sur le canapé et on s'endort. Je ne sais pas si vous savez ça après une journée de travail, mais c'est la pause. Il faudra rester debout. Et c'est là où on comprend les élèves qui viennent parfois pas au cours. Parce que nous, bah, on ne fait que ça dans la journée, on fait du sport, sport, sport. On est toujours actif, on fatigue quand même. Hein. Mais... on se rend compte que c'est difficile hein, quand on fait une pause hein, de revenir au travail abdominal ou travail cardio. Allez, on va tous se mettre bien sûr sur le dos. Vous vous rappelez bien entendu des deux levées d'épaule et on revient. Et c'est la même chose avec les jambes. Et on aura bien sûr des petites surprises avec la position des scoops. Hein, vous vous rappelez, c'est une cuillère. On laisse glisser le pied, on le remonte. Hein. On se souvient de ce mouvement-là? C'est juste celui-là où on a normalement les genoux à 45 degrés. Ici, pareil, 90 degrés, pardon, 45 degrés, n'importe quoi. 45 degrés, on serait là. 90 degrés. Et là, hop, je descends vers le sol, je laisse glisser la jambe, je reviens. Et pareil avec l'autre jambe. Donc le tout, c'est d'avoir bien sûr le dos toujours intact. Il ne décolle pas, il ne se plaque pas trop, d'accord? Plus moi, j'ai un dos plat, je ne sais pas si vous entendez, mais ça ventouse, ça fait du bruit. Donc on y va pour la musique, on verra après la musique suivante. La musique suivante, elle est rigolote. Elle n'est pas trop dure pour les abdos, mais efficace quand même. Allez, première musique, on va commencer main derrière la tête. L'autre main bien sûr sur le ventre. Et là c'est parti, deux. Tranquillement, vous essayez de ne pas gonfler le bas du ventre. C'est plus dur. Très bien, je reste en haut. Stop. Et on revient. La même chose. Soufflez, restez. Ça nous laisse le temps de retenir son périnée. Hein. Contraction périnale. Le dernier. On monte les jambes, 2, 2, 1 et 2 et 1
et deux. Continue comme ça, encore la même chose. Un et deux. Et deux et un. Trois petits. Un, deux, stop et retour. Un, deux, trois et on allonge. Regardez bien entre jambes pour ne pas fatiguer la nuque. Stop. Laissez rouler. Et laissez rouler. Scoop. On embrasse le sol puis on remonte comme une cuillère. Un et deux. Le plus dur, c'est de garder bien sûr sa chaise renversée correcte. Mettez les bras sur les côtés. One, one, two. Rapide. Et lent. Un, et deux. Un, et deux. Vous n'êtes pas obligé de faire grand comme moi. On croise. Vous vous rappelez de ça la semaine dernière? Stop. Posez les deux pieds. Super. Revenez ici dans cette position. Et là, on va pouvoir simplement monter les hanches lentement. Échauffement fessier. Gardez la position. Restez, ouvrez, refermez, descendez, remontez. Ouvre, ferme, descend et remonte. Tirez bien sur les bras latéralement. Le ventre est inspiré, les amis. Continuez encore. Plus vite. Au total, il y en a 6. Allez, continue comme ça, c'est parfait. Hein, je suis sûr que c'est parfait. Vous sentez déjà quelque chose là? Allez, une 7e pour la fin. Stop. 3 petits. Et on allonge. 45 degrés au niveau des jambes. Et ça allonge devant. 1, 2 et 3. T'as vu, ça passe tout seul, hein. Soit si on se tient la tête, on a les coudes légèrement fermés, hein. On en a 8 au total à faire. Plus que 2. Soufflez bien sur toi. Aspiration du nombril. Stop. Eh ben, c'est super. Alors, je vais vous demander simplement de passer sur le ventre. On va rester soit en planche, c'est vous qui choisissez. Un genou et un genou. Vous levez à chaque fois alterné et vous allez en compter 4 sur chaque jambe. D'accord? On essaie? C'est parti! 1, 2, 3, 4, et un genou sur le côté, et un genou sur le côté. 1, 2, 3, 4, et un genou côté, et un genou côté. Quatre fois. Vous avez le droit de poser les genoux, hein, et laisser glisser simplement le genou sur le sol pour qu'il aille chercher les côtes. Ça va tout le monde? Ouais? On continue encore. Gardez un dos bien droit.
épaule syndicale. On se met dans l'autre sens. Jambes tendues alternées. Droite et gauche. Aspirez bien le ventre hein, pour le faire. Donc, c'est comme ça. 4 fois. 3 fois. 2 fois. Stop. Et on remonte. 1, 2, 3, 4. Et monte. Et reviens. Ouais, vous avez figé le truc. Est-ce que vous l'avez bien? Est-ce que vos jambes sont bien à 45 degrés? On relâche. Les deux mains devant. Tout petit. Aspirez le ventre. Continuez, continuez, continuez. Vous avez le droit bien sûr de mettre une main derrière la tête pour soutenir votre nuque. Stop. Pause. Hop. On se tourne et on revient à nouveau sur la position numéro 1. Genou au sol si vous avez envie. Surtout si vous êtes fatigué. Let's go. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Un genou d'un côté et un genou de l'autre. Et 1, 2, 3 et 4. Plus que 4 fois. Encore 3 fois. Allez, courage, courage. Tu fais les mains, chouchou? Plus que 2. Enfin, la dernière. Remettez-vous sur la deuxième position. On arrive au bout. Prêt, alternance, bras ouverts, let's go. J'ai entendu 45 et on vient chercher l'arrière des genoux. Hein. Soufflez hein, sur toi. Vous n'entendez pas là, mais moi je souffle beaucoup. Hein. Tu m'entends? L'autre, il y a mon chéri qui me fait ouais. Et elle est en train de me regarder comme ça. Super. Ça te ferait pas de mal de faire des abdos. C'est bon. Au lieu de ça, ils se bouffent du chocolat Milka. Vous vous rendez compte? C'est pas très encourageant pour moi. Oh, les gros, c'est bon. Et oui. Bah oui, t'as décidé de me regarder. Donc, je dis tout et n'importe quoi. Position sur le dos, les deux pieds à plat, relevé de hanches. Bras le long du corps, décoller et recoller. Up and up and down vous devez à chaque fois monter les hanches deux fois en butant les enfants vers le bas. Ça fait 1 et 2 et 2. Single. Tiens.
tirez bien sur tous vos bras et laissez vos épaules loin des oreilles. 4. 3. 2. Restez en haut. Stop. Ouverture. Ouvre. Descend. Ouvre et descend. Vous vous rappelez l'échauffement? On était sur ce mouvement. Je ne touche jamais le sol. J'ouvre un peu les jambes pour solliciter les cuisses et les fesses. On a fait la moitié du chemin, les amis. Plus que 4. Les deux dernières. Stop. Vous êtes prêts? La suite. On démarre au sol, jambes levées. 1 et retour. 2. Poussez bien sur les hanches de façon à lever la jambe avec la hanche. Égal poids de corps sur une partie des hanches. Sollicitation des fesses. 3 petits. Changement. Gardez une belle flexion à 90 degrés du genou. Vous entendez? Vous êtes prêts pour le refrain? Pause. Ouvre. Descend. Ouvre. Descend. On s'en a 16. Comment ça va chez vous? Vous ressentez dormi? Il en reste 8. Maintenant, essayez avec moi. Serrez les fesses en même temps. Et serre. Serre. Reste là. Pointe et pointe. Tout petit. Restez sur les coussinets plantaires. Ouais, les demi-pointes. On commence à sentir les ischios jambiers. C'est qu'on est au bout. 5, 6, 7, 8, stop. Un genou, tire. Vous êtes prêts pour la suite? On a pratiquement terminé. Hein. Décollage et recollage. 1 et retour. 2 et retour. Continuez encore. C'est pas fini, c'est pas fini. Continuez, continuez. La musique est terminée. Hein. Stop, on reste là, on ouvre un tout petit peu les genoux et on reste tout en haut. Maintenez bien sûr la position en tirant sur les bras. Comme un show de bridge. On aspire. Sur la musique là, il nous reste 32 à faire. Prêt? Vous sentez ça? C'est la magie. La magie de la contraction fessier. Plus que 16. Vous sentez le bas du dos aussi, hein, normalement. C'est les copains qui contractent avec les fesses. On arrive au bout, on arrive au bout. Et stop. Relâchez lentement. Bon, j'espère que le ressenti est présent. Je peux vous dire que là, normalement, ça a bien contracté, bien fort. Ah, elle est sympa, cette musique. Hein. Ah, on va pouvoir s'étirer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'heure de l'apéro. Ok, là, on en était là. Cool. Ok. Est-ce que tout le monde a bien ressenti les fesses? Dites-moi, envoyez-moi des petits pouces, des petits cœurs, ou si vous avez le temps de dire « Oh oui, oh là là, ça a brûlé !» Ou est-ce que c'était moyen, bof? On aurait pu faire plus? Je voulais mettre une musique derrière, c'est pour ça.
Ouais. Un petit bad girl ou un petit truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ok pour plus? Oui. C'était bon? Parce que ok, c'est pas oui, ça veut pas vraiment dire oui. Bon, il n'y a pas de réponse, ok. J'ai vu des pouces passer. C'est les pouces de, comme d'habitude, de Lolo. Mais je sais pas si. J'ai mal aux fesses. Ok, ma Lolo, ok. Bon, après, vous êtes censé, vous pouvez reprendre, bien entendu, la musique depuis le début. Hein, on est bien d'accord. Bon, on va pouvoir étirer. Ok, super, ça. Oui, j'avais compris, t'inquiète, ma chérie. Tu peux faire plus. Ok. Bon, pour ceux qui veulent... Ça a bien travaillé. Pour ceux qui veulent, vous avez le single de la fois dernière qu'on pourra reprendre. On essaiera de faire une séance un peu plus forte, bien sûr, début mai. On va faire une petite pause pendant 2 semaines, hein, les petits amis. On va s'étirer ensemble. Hein. Petite pause pendant 2 semaines parce que c'est les vacances scolaires. Et Davidou et Pascal, et ben, on déménage. Donc, on ne sera plus dans cet appartement. Vous ne voyez peut-être pas, je ne pense pas sur les côtés, mais il y a plein de cartons. Il y a des cartons, il manque des meubles, il y a déjà des meubles qui sont partis. Et on vide la pièce. On attend, on n'a pas encore de réponse sûre encore de l'appartement, on ne sait pas si on va avoir l'appart. Donc, vous voyez, on doit mettre notre état des lieux et le 5 mai. Donc, j'espère pour nous, on croise les doigts que l'appartement sera disponible dans les dates que nous voulons. Voilà, voilà. Donc, priez pour nous, priez pour nous. Sinon, on va aller voir, bien sûr, l'agence Le Maréchal pour avoir un appartement. Oh. Et ouais, c'est ça la vie. Hein. C'est ça la vie. Ouais, je raconte ma vie, mon chéri, il est en train de dire « Oh, t'es pas obligé de raconter tout ça. » Donc, on va pouvoir prendre une jambe, on va déjà croiser la jambe par-dessus l'autre et on va pouvoir se grandir. Une fois qu'on est là, vous avez vu, j'ai pris ma jambe droite avec mon bras gauche. Pour ceux qui ne savent pas le faire, ce mouvement-là, pensez qu'on est dans des... oppositions, donc pensez bien à prendre non pas ce bras là, sinon la fesse, vous voyez, se soulève et du coup on sent pas l'étirement. Non, faut prendre bien l'opposé, c'est à dire que là on a le bras qui vient prendre le genou et qui ramène la jambe contre le buste. Inspirez, expirez. Très bien, on passe de l'autre côté, les petits amis. Hop là, on croise l'autre jambe, on enroule, on est avec jambe gauche et bras droit. Je répète, jambe gauche, bras droit. Alors pensez bien qu'il y a des fois, on entend le prof dire jambe gauche et bras droit et on a l'impression d'être dans le bon sens. On ne s'en rend pas compte. Je dis ça parce que souvent, des élèves en cours, je le répète 3-4 fois et je les vois et ils ne prennent pas conscience qu'ils sont dans l'erreur. Donc après, on est obligé de leur dire « Hey !» Tu t'es trompé. Ce qui ne se fait pas normalement de viser un élève. Avec ça me met mal à l'aise, hein. C'est comme ça que ça passe. Ça se passe. On va pouvoir croiser donc les jambes et on va pouvoir enrouler tout doucement la tête vers l'avant pour relâcher la partie dorsale et venir se mettre de plus en plus vers l'avant. Sentez ça, hop, on remonte. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Très bien, on va pouvoir pousser les deux bras vers le plafond. Inspirez, grandissez-vous, tirez bien les bras vers le haut, inspirez. Très bien ça. Élargis un tout petit peu. Ça nous fait un auto-grandissement. Donc en fait, ça allonge tout doucement la colonne vertébrale. Et donc ça éloigne les petites parties musculaires qui resserrent les côtes. Oh oui, merci Madadège, ouais. On a intérêt à avoir du courage, mais bon, comme ça. C'est vrai que c'est plus difficile, c'est quand vous travaillez à plein temps. Faire un déménagement, quand on travaille à plein temps, c'est difficile. Parce que, surtout quand on n'a que le dimanche, c'est pas toujours évident. Tirez les deux bras vers le haut, on tire, on tire, on tire, on inspire. Grandissez-vous, on peut se mettre sur les demi-pointes. Tirez, 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 tirez. Expirez, relâchez lentement. Très bien, on va passer simplement une jambe derrière l'autre. Là, moi, par exemple, j'ai mis ma droite derrière ma gauche et je monte le bras droit. Tirez, 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 tirez vers le haut. Hop, faites-moi un bel arc entre la jambe et le bras. On inspire. On relâche. Hop, dans l'autre sens.
Passez la jambe gauche derrière, bras gauche en l'air. On tire, et ouais. Tirez, tirez, inspirez. Expirez. Très bien. Poussez les deux bras vers le plafond. Inspirez pareil. Sentez le corps qui s'allonge. Hop, et relâchez. Très bien. On a fait un court étirement, mais je suis sûr que vous allez ressentir les effets. Les effets sur le corps. Voilà. On a fait au final 1h06, c'est pas mal. Ouais, on va pouvoir se retrouver donc début mai. Donc voilà, pour le futur cours, le 2 mai exactement. 2 mai, n'importe quoi. C'est pas le 2 mai, c'est le 6 mai. Tac. Hop.